Eh bien, je crois que c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alors, à tous et à toutes. toujours comme d'habitude, les petits cadrages techniques. Est-ce que tous ceux qui sont présents, vous pouvez nous mettre un petit mot pour nous dire que vous nous entendez bien, histoire qu'on ne parle pas dans le vide. Alors, si vous entendez bien. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Ça change rien. Alors, si vous pouvez marquer dans les commentaires si vous nous entendez, histoire de commencer la conférence en étant sûr que tout le monde nous entend. On voit déjà qu'il y a une dizaine de personnes, si vous pouvez juste nous envoyer un petit message pour nous dire si vous nous entendez. Pas de message, alors ça c'est mon. Ah oui, on m'entend bien, merci Manon. Ok, super, merci Manon. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien bonsoir, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Ça avait fait un carton la conférence de mardi soir. On espère que vous serez aussi nombreux ce soir. Ce soir, on va vous parler de ce qu'est l'auto-hypnose. Enfin, c'est surtout Elisabeth Griffith qui va vous parler de ce qu'est l'auto-hypnose, mais c'est vrai que je viens de dire tout le monde, on ne s'est pas présenté. Donc moi je m'appelle Sylvain Brosset, je suis hypnothérapeute, formateur en hypnose et conférencier. Et Elisabeth Griffith. Bonsoir, eh bien, je suis aussi consultante en hypnothérapie au centre Ecologos, le centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans, depuis quelques années maintenant. On accueille beaucoup de personnes en consultation et en formation autour de l'hypnose, de la mémoire et d'autres sujets en communication. Et donc ce soir, nous allons vous parler d'auto-hypnose. Enfin, Elisabeth va vous parler d'auto-hypnose. Moi, je vais essayer de pouvoir répondre à vos questions et puis pouvoir faire la modération par rapport à tous vos messages que vous allez pouvoir faire dans les commentaires. Je vous propose qu'on aille directement dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce que c'est que de l'auto-hypnose et comment ça marche, Elisabeth? Et oui, allons dans le vif du sujet, parce que la conférence va durer à peu près 3 quarts d'heure, donc autant ne pas perdre de temps et aller directement dans le vif. Alors, qu'est-ce que l'auto-hypnose? Eh bien, l'auto-hypnose, ça va être un état naturel. C'est un état naturel où on distingue, on a pu percevoir que c'est un état qui est favorisant pour faire des changements internes, pour faire des changements inconscients. C'est un état qui va favoriser l'activité, une activité d'une certaine intelligence interne que l'on a tous, et puis qui va être propice pour aborder des changements de comportement qui ne conviennent plus, aborder des réglages d'émotions. Donc on va utiliser cet état hypnotique, en fait, c'est un état neurologique qui se présente plusieurs fois dans la journée pour chacun d'entre nous. Et cet état-là, eh bien, comme il est favorisant pour faire des changements internes, ça va être très intéressant de pouvoir se le déclencher quand on va vouloir, c'est-à-dire utiliser des techniques pour se dire bah, je veux me faire une séance, par exemple ce matin à 8 h ou ce soir à 18 h, eh bien, de pouvoir se déclencher cette séance à volonté et de pouvoir se déclencher cet état hypnotique à volonté. Pour vous donner un ordre d'idée sur qu'est-ce que c'est que cet état hypnotique, parce que vous le vivez tous, mais l'état hypnotique, ça peut impressionner ou donner une image erronée de ce que ça peut être. En hypnothérapie, lorsqu'on veut faire des changements de comportement ou de réglage des émotions, on va utiliser un état hypnotique qui va être relativement léger, où notre mental va être quand même être présent, mais il va être présent un petit peu comme quand vous conduisez. Et au bout d'un moment, vous dites, tiens, je suis déjà arrivé là et je me souviens plus trop du trajet. Parce qu'en fait, il y a une partie de vous-même, votre mental, qui était partie dans les pensées. Donc, votre mental était toujours actif, hein, il n'était pas endormi, hein, sinon après, ça s'appelle du sommeil. Et en voiture, il vaut mieux éviter. Donc, pendant cette phase où vous êtes dans vos pensées, en fait, il y a toute une partie de vous-même qui va piloter la voiture, qui va être capable d'exécuter des dizaines de milliers d'instructions internes pour pouvoir changer les pieds des pédales, le levier de vitesse, gérer les distances, la position dans l'espace et tous les imprévus de la conduite. Cet état-là, il peut se produire exactement aussi devant la télé où vous êtes plus passif et là, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une partie de vous-même qui fonctionne et qui fait plein de choses en même temps. Et si on prend l'image de votre cerveau au moment où vous rentrez dans la voiture, vous allumez le poste de télé ou vous rentrez en cours, hein, quand les lycéens, ils passent toute une partie de leur journée en état hypnotique, par exemple. Eh bien, si on prend l'état de votre cerveau quand vous rentrez dans la voiture ou vous allumez la télé, et puis l'image de votre cerveau, le scanner de votre cerveau, quelques minutes après, sur un trajet que vous connaissez bien, par exemple, eh bien, on va s'apercevoir que l'activité neuronale ne va pas être la même. L'activité
cérébrale ne va pas être identique. Il y a des zones qui vont être plus actives, qui vont se connecter plus entre elles. Et cet état-là va favoriser les changements. C'est-à-dire que notre mental, il est quand même présent, mais il va moins filtrer, il va moins contrôler, même s'il est quand même présent, et va laisser une partie de notre inconscient être plus actif pour modifier des comportements, des comportements qu'il a mis en place, des modes de fonctionnement, des modes opératoires internes qu'il a programmés dans notre enfance. Par exemple, pour la phobie des chiens ou des araignées, peut-être que il y a eu des épisodes dans l'enfance où il y a eu du stress et le cerveau a codé araignée égale stress égale peur panique paralysie des membres par exemple. Ou peur panique, je me mets à courir même en traversant la route et voir courir un danger bien bien plus important que la petite araignée ou le petit chien. Mais ça, on a beau se dire avec le mental que ce comportement il peut être ridicule hein, de perdre tous ses moyens pour une petite araignée ou voire même un chien, même si notre mental sait que et la raison sait que c'est pas logique, eh bien on a ces comportements qu'on ne va pas pouvoir contrôler. Donc tout ça, ce sont des comportements inconscients. Et tout au long de la journée, on s'aperçoit qu'on a des comportements comme ça qui se présentent, qui s'imposent, qui se présentent automatiquement. Certains nous conviennent tout à fait, et heureusement, parce que ça nous a rendu bien service, ça nous a appris à apprendre par l'association, ça nous rend plein de services au quotidien. Mais parfois, notre inconscient va coder des modes de fonctionnement qui nous ne conviennent plus, ou alors qu'on perçoit comme toxiques, ou par exemple, on peut détecter que dans certaines situations au travail ou avec nos proches, on peut avoir des niveaux émotionnels qui montent très haut. Est beaucoup plus haut qu'on le devrait. Par exemple, on peut avoir un niveau de colère, d'irritation, un niveau de culpabilité, un niveau d'agacement ou de stress qui va monter bien plus haut qu'on le devrait. Si je prends une échelle, par exemple, de 0 à 10, rien que pour parler du stress, par exemple, qui est quand même un des comportements inconscients sur lequel il y a souvent beaucoup de régulation à faire dans la vie, eh bien, ce stress, les scientifiques nous apprennent que, enfin, nous montrent que si on prend une échelle de 0 à 10, ça peut être très utile d'avoir du stress. D'ailleurs, toutes les émotions négatives, elles ont une utilité, elles nous donnent des informations. Donc, c'est bien que ces émotions-là, quand il y a des circonstances qui se produisent et qui ne nous conviennent pas, c'est important d'avoir ces émotions qui montent un petit peu pour nous donner l'information que, voilà, il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Mais c'est dès l'instant où ces émotions, elles montent à un niveau beaucoup plus fort, hein, beaucoup plus haut, que là, ça va générer beaucoup d'inconvénients dans notre corps. Ça peut aller envoyer du stress dans certains de nos organes. Je sais pas, bloquer les cervicales, faire des nœuds au ventre, des boules dans la gorge. J'imagine que le stress, vous avez déjà pu le ressentir à plein d'égards quand il est trop haut, voire perdre ses moyens, perdre complètement ses souvenirs. Par exemple, les élèves qui passent des examens, le bac ou autre. Qui sous l'effet du stress ont complètement oublié ce qu'ils ont mémorisé, alors que tout est encore dans leur tête. Je suppose que vous avez déjà pu identifier, vous, des manifestations hein, du stress quand il est trop trop élevé. Hein. Si effectivement vous avez quelques manifestations qui vous viennent en tête, comment ça se passe pour vous quand il y a le stress qui monte trop haut. Je ne sais pas, certains c'est l'oppression, d'autres c'est la boule au ventre. Donc si vous voulez partager sur ce que vous ça peut vous faire le stress, eh bien dites-vous que ces manifestations du stress qui ne sont pas agréables du tout, qui peuvent être même jusqu'à créer la crise d'angoisse, eh bien ces comportements inconscients qui peuvent être générés par le stress, par d'autres émotions, ils peuvent se régler. On a une intelligence interne, on a des moyens pour pouvoir régler ce niveau d'émotion ou ces comportements inconscients qui se présentent. Donc, du coup, Je te voyais prête à intervenir, donc non, du coup, je vais te laisser j'étais la pendu aux parole. lèvres. Et est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à tous? Alors, oui, c'est vrai qu'on nous dit tout souvent, oui, mais moi je ne peux pas faire de l'auto-hypnose moi-même parce que je ne suis pas réceptive. Une fois, je suis allée à un spectacle. Et en fait, la réceptivité en hypnose de spectacle,
et quelque chose de complètement différent. Là, on va agir sur un autre levier du cerveau, un autre mode de fonctionnement. Là, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, cet état hypnotique thérapeutique, c'est un état qu'on rencontre naturellement plein de fois dans la journée. Donc, c'est juste impossible de ne pas vivre cet état hypnotique de manière inconsciente, hein, puisque ça se présente tous les jours. Et donc, en fait, il y a plusieurs techniques pour se mettre en état hypnotique. Et puis, ces techniques, eh bien, elles sont variées et elles vont aussi être plus adaptées à certaines personnes. Certaines techniques vont être plus adaptées à certaines personnes que d'autres. Par exemple, je vous donne une technique rapidement comme ça qui va être de fixer un point du regard. Si, par exemple, vous fixez au mur, vous asseyez, vous installez ou vous allongez, et que vous fixez au mur un point ou au plafond un motif qui est petit, hein, à peu près la grandeur d'un ongle, on va dire. Et si vous vous amusez à fixer ce point du regard, alors ça peut être un objet aussi qui bouge, hein, c'est vrai qu'on a l'image cliché de l'hypnose où on a le pendule qui bouge, et bien rien que de fixer cet objet qui bouge ou ce point fixe peut chez certaines personnes générer en 3-4 minutes, des fois moins, un état hypnotique qui est typiquement celui qui convient pour être favorable au changement interne. Donc là, par exemple, une des techniques pourrait être, peut être, enfin, et convient à beaucoup de personnes, de fixer un point du regard. Et puis quand on fixe ce point du regard, on peut en même temps porter attention à sa respiration. Et en fait, l'idée, c'est de toujours fixer ce point. C'est pas de bouger un coup les yeux à droite, à gauche. C'est vraiment de fixer pendant plusieurs minutes ce point avec ses yeux. Et puis, pendant qu'on le regarde, on se dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Donc, il faut aussi un petit peu occuper le mental. Et donc, pendant que vous fixez le point de regard, vous pouvez penser à votre respiration, percevoir les mouvements internes de respiration dans le corps, les poumons qui gonflent, qui se dégonflent, pareil pour le ventre. Vous pouvez aussi porter attention à des éléments auditifs. Par exemple, commencez par les éléments auditifs les plus éloignés de vous. Par exemple, en prendre trois. Portez attention à trois éléments auditifs pendant que vous fixez le point du regard. Vous pouvez ensuite porter attention à trois points, trois éléments qui sont visuels, comme en vue périphérique, vous allez percevoir des lueurs, des couleurs, des formes. Tout en fixant le point du regard, vous voyez des choses en vue périphérique. Et vous pouvez porter attention aussi à trois éléments kinesthésiques. Par exemple, la température de la pièce, l'ambiance, si c'est une ambiance tranquille. Et comme ça, s'amuser à, pendant que vous fixez ce point, à porter attention à hop, des éléments visuels, puis auditifs, puis kinesthésiques, puis visuels, puis kinesthésiques, puis auditifs. De manière à jusqu'à ce que vous sentiez une fatigue oculaire qui va s'installer. Chez certaines personnes, cette fatigue oculaire va s'installer très vite. L'idée, c'est d'y résister un petit peu. Et puis, bah, certaines autres personnes, cette fatigue oculaire, elle va se présenter beaucoup plus tardivement. Donc, si la fatigue oculaire, elle se présente assez rapidement, bah, vous fermez les yeux et puis vous imaginez que vous continuez à fixer ce point du regard. Et puis, si la fatigue oculaire se présente pas encore, vous continuez à fixer ce point du regard. Et vous faites ça pendant quelques minutes. Ça va dépendre des personnes. Il y en a, ça va être 3 minutes, 2, 5 minutes, 2, 3, 10 minutes. Et puis, au bout de ces quelques minutes, eh bien, vous êtes dans un état de plus de détente, on va dire. Le mental sera encore là, mais il va vous permettre de passer ensuite à une étape d'action sur l'objectif. Alors, je vous inviterai bah, plus tard à tester cette technique de fixer un point du regard. Si vous détectez, par exemple, certaines musiques qui vous mettent en état un petit peu de flottement, un état un petit peu hypnotique, vous pouvez aussi utiliser de la musique. Vous pouvez utiliser un enregistrement où il y a régulièrement des sons, des petits sons de cloche avec des intervalles réguliers ou des gouttes d'eau. Ça s'appelle une focalisation auditive. Et parfois, la focalisation auditive convient mieux que la focalisation visuelle. Donc, vous pouvez tester les deux. La focalisation auditive, vous pouvez commencer enfin, la faire les yeux fermés. Et vous pouvez faire en même temps une focalisation visuelle et auditive. Ça marche très bien aussi. Et puis, il y a plein d'autres techniques pour entrer en état hypnotique, hein. Les personnes qui font du yoga,
la sophro, la relaxation, ça peut très bien se mettre en état hypnotique. Alors, l'hypnose ensuite, une fois qu'on est dans cet état hypnotique, l'hypnose thérapeutique va consister à agir sur un objectif, ben justement sur un comportement qu'on veut réguler, une émotion qu'on veut régler, ou un comportement qu'on veut installer. Par exemple, on s'aperçoit que notre sommeil, il est détraqué, il n'a plus la même qualité. Et pour remettre un état de sommeil qui nous convient, eh bien on peut aussi utiliser l'auto-hypnose. Alors, maintenant, ce que je voudrais, c'est, une fois que vous allez essayer de rentrer en état hypnotique, eh bien, justement, je voudrais qu'on passe à la phase d'action sur un objectif, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. C'est bien de se mettre en état de détente, etc., mais ce qui est encore mieux, c'est maintenant d'aller dans le vif du sujet pour agir directement sur un objectif. Et pour ça, eh bien, je vais vous inviter à faire une petite expérience maintenant. Alors, pour cette petite expérience, que je voudrais, et là où je voudrais que, bah, du coup, vous pouviez percevoir un changement interne, je vais vous inviter à vous installer, alors, ou bien assis, ou bien vous mettre debout. Et là, l'idée, en se mettant assis ou debout, c'est d'avoir les épaules de face, les hanches alignées et les pieds alignés, les pieds écartés à peu près à hauteur des épaules. Comme ça, si vous êtes debout, de pouvoir rester bien stable. Alors, je vous laisse quelques secondes pour vous installer, pour nous dire aussi, peut-être en chat, si c'est bon pour vous, pour vous mettre en place assis ou debout. Ce qu'il va falloir que vous ayez, ce que vous prévoyez, c'est d'avoir assez de place pour pouvoir bouger un bras, pour pouvoir faire le tour de vous-même, hein, d'avoir une personne, si vous prenez un bras le bras droit ou le bras gauche, de pouvoir faire complètement une rotation, de pouvoir complètement faire une rotation tout autour de vous. Si je mets comme ça, par exemple. Oui, parce que là, j'ai le projecteur qui gêne. Ok, je dois tourner comme ça, c'est ça. Exactement. Okay. Est-ce qu'il faut que je garde le bras complètement orthogonal à l'épaule ou est-ce qu'il faut que je bouge mon bras comme ça? Le bras doit être à l'horizontale et puis juste faire une rotation. Une rotation au niveau des hanches, là. En fait, l'idée, c'est d'avoir les pieds stables, les pieds fixes, les hanches fixes, les épaules fixes, et il n'y a que le bras qui tourne. Comme ça. Voilà. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, cet exercice va se faire en trois étapes, et pendant ces trois étapes, les pieds, les hanches, les épaules sont complètement immobiles. Alors, si vous êtes prêt pour la première étape, je vous invite à, dans cette position, hein, debout ou assis, avec les épaules, les hanches et les pieds bien stables et bien fixes, je vous invite à prendre un bras. Je vais essayer de... Voilà. Prendre un bras et puis vous montez votre bras et vous faites une rotation pour aller loin derrière vous, pour aller le plus loin possible derrière vous, en maintenant en bonne santé, je dirais, votre Sans vous faire épaule, mal, hein. quoi. L'idée, c'est de se faire un claquage musculaire, hein. Donc, vous allez le plus loin possible en tournant derrière vous, le plus loin possible que vous pouvez. Et quand vous êtes arrivé au plus loin, vous prenez un repère dans l'espace. Et quand vous avez pris votre repère dans l'espace, eh bien, vous ramenez votre bras devant vous. Et puis, vous la baissez le long de vos cuisses. Une fois que vous avez fait ça, vous restez complètement immobile. Et la deuxième étape, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux et vous allez seulement imaginer. Vous allez imaginer que vous faites la même chose. Vous allez imaginer que vous levez votre bras et que vous commencez la rotation derrière vous. Et en faisant cette rotation, en imaginant que vous faites votre rotation, vous imaginez que vos bras peuvent même s'allonger, qu'ils sont plus souples, plus flexibles, que votre colonne, elle est complètement élastique, complètement échauffée, comme si vous aviez fait des échauffements pour bien étirer les muscles, bien les échauffer. Et puis vous imaginez que vous vrillez comme ça et que vous allez loin, loin, loin derrière vous. Et quand vous imaginez que vous êtes arrivé le plus loin derrière, et bien là aussi vous prenez un repère dans l'espace.
Et quand vous avez pris votre repas dans l'espace, en imaginant que votre bras est loin, 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 alors que votre bras, en fait, il est toujours resté collé à votre jambe, votre cuisse, comme l'autre bras, eh bien, une fois que votre repère est pris, eh bien, vous ramenez votre bras devant vous et vous l'abaissez. Vous imaginez que vous le ramenez, que vous l'abaissez le long de votre cuisse. Une fois que c'est fait, eh bien, vous ouvrez les yeux et vous restez immobile dans cette même position. Et puis on va passer à la troisième étape où, tout en restant dans la même position, on va le faire exactement de la même manière que la première étape. Donc là, réellement, vous soulevez votre bras et réellement, vous faites une rotation et vous allez le plus loin possible en souplesse, en flexibilité. Et c'est détendu, le dos se vrille, le dos se détend, le bras s'allonge, l'épaule se détend. Et vous allez loin comme ça, c'est facile d'aller loin, c'est souple. Et vous allez le plus loin possible derrière. Et quand facilement vous allez loin derrière, vous prenez un repère dans l'espace. Une fois que vous êtes allé très très loin derrière et que vous avez surtout pris votre repère dans l'espace, et bien là vous pouvez ramener votre bras devant vous, le long de vos cuisses, pour avoir les deux mains posées ou le long de vos jambes et vos cuisses. Pour les gens qui n'avaient pas fait l'exercice, qui sont arrivés en cours, qu'est-ce qu'il fallait attendre, s'attendre à cet exercice? Alors maintenant, je voudrais justement que vous me disiez, entre le repère que vous avez pris lors de la troisième étape et le repère dans l'espace que vous avez pris lors de la première étape, est-ce que vous êtes allé plus loin à la troisième étape? Est-ce que vous êtes allé à l'identique? Ou est-ce que vous êtes allé moins loin que la première étape? Est-ce que la troisième fois, vous êtes allé plus loin à l'identique ou moins loin? Mon livre en réponse. J'aimerais que vous... Je crois qu'a priori, je peux créer un petit sondage. Je vais faire un test technique. Je vais faire un petit sondage pour que vous puissiez dire je fais le plus loin, aussi loin, moins loin. Je pense que ton sondage, il est pour combien de temps? Ben, c'est bon. Et je vous inviterai à retester de manière peut-être plus lente à votre rythme, de retester cet exercice. Et l'idée, c'est à la deuxième étape, c'est vraiment de prendre le temps d'imaginer que vous vous déployez, que vos muscles se détendent, que votre colonne s'adapte, que les muscles s'étirent, les tendons s'étirent, que c'est facile, que c'est souple, que c'est tout en souplesse, en finesse, en longueur. Et normalement, quand vous faites cet exercice-là, la plupart du temps, les personnes distinguent qu'on va effectivement beaucoup plus loin. Effectivement, on a un message, on voit beaucoup plus loin. Effectivement, on voit qu'on va beaucoup plus loin. Et ça, c'est vrai qu'on voit qu'on a gagné de la souplesse vraiment en très peu de temps. Un autre exercice que vous pouvez faire pour le tester, c'est d'essayer de mettre vos mains au sol. Vous mettez debout et vous baissez la tête, baissez les bras pour mettre les mains au sol. Et là, entre la première fois où vous allez le faire, si vous imaginez en fermant les yeux que vous le faites une deuxième fois, en imaginant que tout le dos se déroule, les jambes, l'arrière des jambes, les tibias, se déploie, s'étire, et que c'est facile, que vous posez même les poignets sur le sol, que vous allez même jusqu'à imaginer que vous posez les coudes sur le sol. On est en imagination, donc on peut se laisser aller à imaginer ce qu'on veut. Donc même que vous imaginez que vous posez les coudes, et bien lors de la troisième fois, quand vous allez réellement le faire, ben, vous allez voir que vous allez pouvoir toucher beaucoup plus facilement le sol, voire même poser même les doigts ou les poignets pour peut-être les plus souples d'entre vous. Alors comment ça fonctionne ça, comment ça se fait qu'on a gagné de la souplesse en 2 minutes de temps? Eh bien en fait, le fait de se visualiser, le fait de s'imaginer, pas forcément de se visualiser, on n'est pas obligé de voir des images très nettes, hein, on peut simplement imaginer les sensations que ça peut se faire. Eh bien le fait d'aller s'imaginer dans une situation où les choses sont faciles, où les choses sont simples, où ça se déroule comme on voudrait de manière idéale, et eh bien quand on va les réviser après,
ça va être beaucoup plus agréable et surtout beaucoup plus facile. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir petit à petit rééduquer des gestes, rééduquer des comportements, rééduquer des émotions, les réguler. Et je vous donne des exemples maintenant plus concrets sur comment ça se passe. Alors, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télé des sportifs, par exemple sur les skieurs. Les skieurs, eux, avant de prendre la ligne d'arrivée hein, pour descendre le Grand Chelem, par exemple, ils vont se mettre sur le côté et puis vous allez les voir. Alors, certains ont les casques, d'autres même pas encore. Ils vont fermer les yeux, ils vont baisser la tête, puis vous allez les voir un peu faire des petits sauts comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ben, ils sont en train de se faire une séance d'auto-hypnose. Et en fait, ils font un petit peu ce que vous avez fait dans ce petit exercice, c'est-à-dire qu'ils vont s'imaginer descendre la pente, ils vont s'imaginer faire la course, la dérouler, et en s'imaginant, ils vont y mettre le plus d'éléments possibles, de sensations, des éléments sensitifs. Par exemple, ils vont y mettre des sons, des images, des éléments visuels, auditifs, kinesthésiques. En fait, quand ils vont s'imaginer ça, ils vont duper toute une partie de leur corps. C'est-à-dire que leur mental, il sait qu'ils sont en train de se faire une séance d'auto-hypnose et qu'ils ne sont pas encore en train d'évaluer la course. Ça, c'est une petite partie de leur cerveau qui sait, hein, leur mental, c'est ça que c'est, que c'est de l'imagination. Mais il y a toute une partie de leur organisme qui ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou imaginaire et qui va se mettre en mouvement, du coup, qui va bouger, qui va agir. Et donc, le skieur, pour revenir à lui, bah, il va s'imaginer que. Il descend et qu'il est en pleine forme, qu'il est en pleine vitalité. Il entend le public, il entend les sifflements. Enfin, il imagine qu'il entend les encouragements, les applaudissements du public, le présentateur sportif dans le haut-parleur, qu'il entend la neige qui glisse sous les patins. Il va s'imaginer qu'il ressent les sensations, qui sont le vent sur ses joues, qui sont les bâtons dans ses mains, qui sont son blouson, etc. Qui sont l'ambiance aussi, les sensations du glisser du patin. Il va s'imaginer qu'il entend aussi le public, qu'il voit comment dire, les drapeaux, la neige, tout ça. Donc en fait, il va vraiment essayer de porter attention avec ses souvenirs, hein, parce qu'il a déjà descendu plusieurs fois la pente, donc il sait ce que c'est que de descendre une pente. Donc dans ses souvenirs, eh bien, il va essayer de vraiment d'imaginer comme si c'était vrai, pour vraiment duper, et plus il va duper son organisme, plus il va y mettre des éléments visuels, kinesthésiques, auditifs, et plus il y a une partie de lui-même qui va pas faire la différence et qui va se mettre en mouvement. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller jusqu'à s'imaginer qu'il va dans la ligne d'arrivée, qu'il vraiment il a battu le record du monde d'un centième de seconde, mais qu'il est vraiment, voilà, qu'il est sur le podium, il va même aller jusqu'à se visualiser qu'il monte sur le podium, qu'il sent le poids de la coupe, qu'il est ébloui par les flashs des journalistes. Il va s'imaginer vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il sente cet objectif qui est réussi, jusqu'à ce qu'il sente que bah, son comportement, ses émotions, que tout a bien été géré, que c'est un succès. Vraiment, il va jusqu'à se visualiser comment ça peut être bon de ressentir ce succès, ce soulagement, cette fierté, tout ça. Et ça, c'est hyper important qu'il aille jusqu'à ce niveau-là. Et là aussi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'imaginer aussi tout ce qui pourrait arriver comme embûche, comme difficulté, comme problème pendant la compétition. Et donc, eh bien, il va s'imaginer qu'il y a déjà une petite difficulté qui apparaît, par exemple un vent contraire. Et puis, bah là, plutôt que de se dire, oh là là, mince, je vais perdre du temps en chrono, ben non, non, non. Lui, dans sa visualisation, eh bien, il perçoit qu'il y a du vent qui se lève, oh là là, il y a du vent contraire qui commence à souffler et tout. Eh bien, je ne cherche pas à comprendre. Mais je m'imagine en tant que skieur que je continue à gagner du temps en chrono. Je ne sais pas comment je fais, mais je continue à dévaler à toute vitesse et je continue à gagner du temps en chrono. Et puis après, j'imagine qu'il y a un obstacle encore plus grand. Par exemple, il y a une immense plaque de verglas. Et puis ben là, bien sûr, je ne vais pas imaginer que je vais me casser la gueule, hein. Je vais imaginer qu'en tant que champion du monde de ski, là, eh bien, je vais surfer sur la plaque de verglas. Et puis que même, ben, je vais transformer cet obstacle en opportunité, ça va même nous faire gagner du temps au chrono. Et puis donc, ben, il se visualise en train de surfer sur la plaque de verglas, nickel, et puis arriver sur la ligne d'arrivée. Alors, cet exemple du sportif, là, lors de cette compétition, eh bien, dites-vous que vous pouvez vous imaginer, vous téléporter, donc là, lui,
Il est déjà sur la piste, hein, il n'a pas besoin de se monter les portails, il est déjà. Mais nous, par exemple, si on est dans notre fauteuil, dans notre canapé, on a fait notre focalisation du regard ou auditive, et puis qu'on est en état hypnotique, et puis qu'on se dit, OK, maintenant je vais passer à ma phase d'action, il faut que je me fasse ma visualisation, mon petit scénario. Et bien là, vous imaginez que, hop, vous les yeux fermés ou encore ouverts, et bien vous les fermez et vous vous téléportez dans l'endroit. Les circonstances où vous avez justement besoin de cette faculté, cette compétence, où vous avez besoin justement d'avoir cette confiance. Par exemple, une personne qui aurait du mal à parler en public, eh bien, elle va d'abord s'imaginer qu'elle est dans une salle vide. Alors, ça peut être au travail, ou ça peut être un comédien pour monter sur scène s'il est comédien amateur ou comédien professionnel. Donc il va s'imaginer que la salle au début, il n'y a personne. Et puis ben voilà, il récite son texte, sa conférence, et puis ben, tout va bien. Et puis là, il sent qu'il a une bonne élocution, sa voix forte, etc. Tout va bien, il se sent bien, il a le cœur qui bat bien comme il faut, il respire profondément, tout est bien pour lui, ça lui fait plaisir, il se sent bien. Et puis il s'imagine qu'il va y avoir un petit obstacle, hein, ou un petit imprévu. Donc là, il s'imagine par exemple qu'il y a une personne qui rentre dans la salle, qui est peut-être plutôt bienveillante au départ. Et puis, il se voit qu'il arrive à toujours à parler avec aisance, tout ça. Après, il s'imagine qu'il y a 100 personnes qui arrivent, et il doit toujours parler avec aisance. Après, peut-être 20, 30, 50 personnes qui arrivent. Et puis, il se doit toujours parler avec une bonne élocution, une bonne aisance. Je suis en train d'essayer de jouer avec la... On est inversé par rapport à la caméra, et j'ai peur que vous ayez le projecteur dans les yeux à chaque fois que je bouge. Donc voilà, vous pouvez vous téléporter par exemple sur les planches ou dans une salle, vous pouvez vous téléporter au travail. Par exemple, si avec une collègue, vous avez du mal à vous concentrer au travail parce qu'elle fait du bruit, elle parle fort, et que vous voulez développer votre capacité de concentration, vous pouvez vous imaginer que vous vous téléportez au bureau. Au départ, elle n'est pas là, tout va bien, vous avez un super rapport à rendre, vous soyez concentré. Eh bien, vous imaginez qu'au départ, elle n'est pas là, il n'y a pas de bruit. Puis après... Vous imaginez qu'elle commence à arriver, elle a une extinction de voix, donc elle fait un tout petit peu de bruit ce jour-là. Vous arrivez à rester bien concentré, bien tranquille. Et puis ensuite, vous imaginez qu'elle parle plus fort ou qu'elle a des conversations téléphoniques juste à côté de vous, pendant que vous avez votre rapport à taper, à rendre, donc, sur lequel vous devez rester bien concentré. Donc vous imaginez que vous vous téléportez au bureau avec ces circonstances, et puis vous vous imaginez que même avec tout le bruit qu'elle fait, elle parle fort, etc., il y a du bruit autour, et que vous, c'est comme s'il y avait une bulle, vous cherchez même pas à comprendre comment ça peut se produire, mais vous constatez que vous restez concentré, vous constatez que vous continuez votre rapport, vous avez l'inspiration, voilà, vous restez bien productif, même s'il y a du bruit autour, vous en fichez complètement, ça reste, voilà. Pour vous complètement à l'extérieur de votre bulle. Vous pouvez vous imaginer que vous vous téléportez par exemple dans votre lit. Si par exemple la nuit vous êtes réveillé par des douleurs, vous êtes réveillé par des préoccupations ou par les ronflements de votre conjoint par exemple, eh bien au début vous pouvez vous imaginer vous êtes dans votre lit, il n'y a pas de bruit, pas de douleur, pas de préoccupation, tout va bien et vous restez profondément endormi, les heures passent et puis vous restez profondément endormi, tout va bien. Et puis, d'un seul coup, il y a un petit bruit, une petite préoccupation, une petite douleur qui se réveille. Or, il y a bien une partie de vous-même qui détecte hein, ce souci, cette préoccupation, cette douleur, ce bruit autour de vous. Mais il y a une autre partie de vous-même que vous voyez rester profondément endormie. Et puis après, il y a un gros ronflement, une grosse douleur ou une grosse préoccupation. Et ben là, vous percevez, vous imaginez que même s'il y a une partie de vous-même qui la détecte, ce qui arrive là, eh bien, une autre partie de vous-même qui reste profondément endormie. En fait, vous pouvez imaginer ce scénario de vous téléporter, de vous visualiser dans plein, plein, plein de circonstances différentes. Par exemple, si vous êtes avec un client qui est en colère ou qui est agressif, eh bien, vous pouvez vous téléporter au travail. Au début, voilà, vous n'avez que des clients agréables, et puis après des clients un peu plus désagréable ou ironique, et puis après avec des clients un peu plus agressifs. Et puis vous savez pas du tout ce que vous leur dites. Hein. Quand vous imaginez simplement que vous vous voyez en train de parler avec lui, et puis que vous ne savez pas ce que vous dites, mais certainement que vous devez trouver les bons mots. Vous ne savez pas du tout lesquels, et vous vous en fichez de savoir lesquels. Hein.
Mais certainement, vous devez trouver la bonne tactique, les bons mots, les bons arguments, la bonne attitude, parce que vous imaginez que lui aussi, du coup, petit à petit, il va changer son attitude, et qu'après, vous allez sortir de cet échange et vous allez être fier de vous, vous sentir bien, sentir frais dispo pour accueillir de nouveaux clients. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre aussi? Par exemple, pour les phobies, pour les araignées, vous pouvez vous imaginer qu'au début, il n'y a pas d'araignée, puis après, il y a une toute petite araignée qui est loin, après, une araignée qui est plus grosse, qui est plus près. Et puis après que l'araignée elle est même tout près de vous et que ben hop l'araignée elle touche mon pied et puis ben, je me sens quand même tranquille, serein et tout va bien et je peux peut-être même ben, je sais pas peut-être même m'approcher encore de plus près. Donc voilà, l'idée c'est de en fonction de votre objectif, hein, c'est d'avoir bien réfléchi avant sur ça serait quoi idéalement votre sensation. Comment vous voudriez vous sentir dans ces circonstances de manière idéale? Et puis ben, de vous visualiser que ben, dans cette situation, quand elle va arriver, ben, vous la vivez de manière idéale. Et petit à petit, en vous faisant quelques séances comme ça de visualisation, petit à petit, vous allez reprogrammer ou bien le réglage de vos émotions ou reprogrammer certains comportements. Et je dirais que en utilisant l'état hypnotique, hein, à la limite, les personnes pourraient le faire comme ça sans se mettre en hypnose. Mais si vous prenez le temps, comme je vous ai dit au début, par exemple, de faire une focalisation visuelle en fixant un point de regard sur le mur, ou une focalisation auditive, par exemple, ou de la sophro, de la relaxation avant, si vous vous mettez en état hypnotique et puis qu'après, vous vous téléportez dans le lieu où idéalement vous voudriez vous sentir. Je sais pas, dans votre cuisine avec votre ado, où d'habitude vous vous mettez en colère tout de suite, et ben là, pour rester patiente avec lui, et ben vous vous téléportez dans votre cuisine. Au début, vous abordez un sujet, vous êtes d'accord, puis après un sujet, vous êtes un tout petit peu moins d'accord, puis le sujet, vous êtes vraiment jamais d'accord, où là, ça explose, et bien là, vous imaginez que ça se passe différemment. Et vous verrez que petit à petit, ben vous allez constater des changements. Et je dirais que vous allez constater que des fois, vous allez vous dire, ah bah tiens, d'habitude, je me serais vraiment énervée et là, ah bah j'ai pu rester tranquille, j'ai pu rester zen, j'ai pu rester plus détendue, j'ai senti que j'avais plus de confiance en moi, plus d'appoint. Ou bah là, comme par hasard, je me sens dire des arguments que avant j'aurais été complètement bloquée pour les prononcer. Donc je vous invite à utiliser cette petite technique. Alors dites-moi si j'ai été assez claire dans l'explication de cette technique de visualisation. Est-ce que tout ça, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous paraît difficile de, en tout cas par rapport à la compréhension de cette technique, est-ce que ça vous paraît difficile à comprendre, difficile à du coup à se le faire? Je dirais que moi pour moi la difficulté souvent, et ce que me disent les personnes, c'est de trouver 5 minutes, par exemple le matin ou le soir, 5 minutes pour soi, pour aller penser à se dire, ben, idéalement, je voudrais me sentir comment dans telle situation, donc se fixer un objectif, et puis de se faire cet exercice de visualisation. Souvent, c'est de se trouver un moment pour s'isoler, quelques minutes pour le faire. Et pour ceux qui étaient présents l'année dernière, est-ce que l'exercice qu'on a vu l'année dernière, ils peuvent le faire un peu? Ah ben oui, tout à fait, tout à fait. Il en sera d'autant plus efficace. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, l'exercice de mardi dernier était une technique différente, où là, on allait, par rapport à une émotion, retrouver la sensation à l'intérieur de nous, et puis agir sur cette sensation, modifier des choses. Et le point commun de ces deux techniques, hein, qui sont différentes, le point commun, c'est l'imagination. Et c'est vrai que l'imagination, même s'il y a une partie de notre mental qui sait qu'on est en train d'imaginer, qu'on sait qu'il y a de la fiction, il y a, dites-vous qu'il y a toute une partie de vous-même qui, pendant ce temps-là, ben, fait comme si c'était vrai et se met vraiment en mouvement et fait des changements. Et du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la vidéo sur notre page Facebook. On mettra le site quelque temps sur notre page YouTube aussi. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver la vidéo. Comme cette vidéo-là aussi, cette vidéo sur YouTube, vous pouvez aussi la retrouver évidemment sur la page Facebook ou la page YouTube aussi. Donc voilà, donc l'idée c'est se mettre en état hypnotique, ensuite se téléporter là où on sent qu'on a des choses qu'on veut changer,
S'imaginer que on a les compétences, on ne cherche pas comment, on les a, mais on constate. On les a, on constate que notre objectif, il est déjà atteint. Et puis, l'idée, c'est de se faire des séances comme ça, de visualisation, jusqu'à temps que vous voyez qu'effectivement, quand vous êtes confronté à la situation, bah, vous observez qu'il y a vraiment un changement qui s'est opéré dans vos émotions et dans vos comportements. Donc, des fois, pour certains objectifs, on a besoin de se faire 3 séances, et puis des fois, on a besoin de se faire 20 séances pour voir des changements, les constater, hein, ces changements. Donc, l'idée, c'est d'être aussi un petit peu patient pour se trouver ces quelques minutes pour le faire, et aussi d'y mettre vraiment le maximum de détails. Hein. Entendez les portes qui claquent, le vent, l'air, la température, les couleurs. Vraiment, plus vous allez mettre d'éléments qui ont l'air vrais dans votre visualisation, et plus vos comportements vont changer vite, en fait. Vous aurez besoin de faire moins de séances. Donc, ça, alors, la technique qu'on a vue ce soir, et puis la technique qu'on a vue avant-hier, ce sont deux exemples de techniques d'hypnose ou d'auto-hypnose. Donc, l'auto-hypnose, bah, c'est quand on fait ses séances pour soi-même. On s'isole dans un petit coin et puis on fait ses séances pour soi-même. L'hypnose, bah, c'est quand un thérapeute le fait à quelqu'un d'autre ou quand on a appris les techniques et qu'on le fait à quelqu'un d'autre, par exemple à ses proches, pour influer sur leurs émotions, leurs comportements. C'est vrai que c'est quand même bien d'avoir ces outils-là quand on est parent. Moi, je sais que ça m'a été beaucoup utile. Heureusement, j'ai eu ces outils-là avant qu'ils soient adolescents. J'aurais bien aimé les avoir avant qu'ils naissent. Hein. C'est vrai, t'as de la chance. Et avec nos proches, d'avoir ces techniques-là pour influer sur eux positivement, c'est quand même chouette. Hein. Donc ça, c'est plutôt les formations d'hypnose, hein, de techniciens. L'auto-hypnose, bah, c'est effectivement quand on se le fait sur soi-même. Et pour répondre à une question que tu évoquais tout à l'heure, est-ce que c'est simple? Là, ces deux techniques qu'on a vues hier aujourd'hui, elles sont assez simples à expliquer. Faut un petit peu les pratiquer. Hein. Plus vous allez pratiquer, plus ça va être simple, plus elles vont être courtes à réaliser. Et il va y avoir aussi dans les techniques d'hypnose et d'auto-hypnose, plein d'autres techniques où on ne va pas forcément utiliser l'imagination, on va utiliser d'autres leviers. En fait, l'hypnose, c'est un peu comme une boîte à outils. On a plusieurs techniques. Et ces techniques, en fonction de qui on est nous-mêmes ou qui on est en face, eh bien, on va pas utiliser les mêmes outils. Par exemple, la focalisation auditive ou visuelle qu'on a évoquée tout à l'heure pour rentrer en état hypnotique, pour certaines personnes, elle va marcher tout de suite. Et pour d'autres personnes, eh bien, ça va les agacer, ça va pas être la bonne technique. Donc, c'est pour ça qu'en formation en auto-hypnose, ou en formation en hypnose, en formation technicien pour l'hypnose pour les autres, eh bien, on va aborder différents leviers, différentes techniques, parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière, nous-mêmes et les autres. Donc, c'est bien d'avoir du coup plusieurs techniques, plusieurs outils pour pouvoir activer des changements à l'intérieur de nous. Et là où bah, pour toi, une technique va être bonne, bah, pour moi, une autre va peut-être être plus efficace. Alors, pour se former à l'auto-hypnose, en une journée, déjà, on apprend plusieurs techniques pour rentrer en état hypnotique et plusieurs techniques pour agir sur un changement qu'on veut réaliser en interne. Donc, on voit à peu près 3 techniques d'entrée en état hypnotique, 2 techniques, 2 ou 3 techniques pour agir sur un objectif lors d'une première journée. Et à l'issue de cette première journée, eh bien, on est capable de faire soi-même ces séances d'auto-hypnose. Alors, pour vous donner quelques éléments techniques, des informations complémentaires. Alors, on a eu 2 désistements, donc il nous reste 2 places pour la formation d'auto-hypnose qui a lieu ce dimanche. Donc, s'il y a certaines personnes qui seraient intéressées. Et il y a passé sur le chat que, effectivement, le centre de l'hypnothérapie, en général, est aussi une formation d'hypnose en auto-hypnose. Un organisme de formation pour les particuliers et pour les entreprises. Voilà. C'est Oncologos qui forme notamment certains professionnels de l'hôpital d'Orléans et forme notamment le cabinet de dentistes, de médecins, etc.
et que ces formations sont aussi ouvertes au grand public. Et dans ces formations, il y a une formation qui est essentielle, c'est la formation que tu donnes toi, d'auto-hypnose, qui nous apprend un petit peu comment est-ce qu'elle est articulée, sur combien de jours, en combien d'heures, etc. Donc, c'est une formation, ben, comme je disais précédemment, qui a lieu sur une journée. Donc, on commence à 10h, de 10h à 17h. Le matin, je vous fais vivre deux séances d'hypnose que je guide à haute voix, en utilisant le jeu, hein, comme si c'était moi pour vous donner un modèle, avec deux techniques différentes. Et on envoie une troisième variante de manière à ce que l'après-midi, quand vous allez faire votre première séance d'auto-hypnose vous-même en live, bah vous aurez déjà le choix entre trois techniques que vous pourrez expérimenter, pour voir déjà celle qui vous convient mieux. C'est vraiment des techniques qui sont sur des leviers très différents. Et puis, dans l'après-midi, je vous donne d'autres éléments pour que vous puissiez bah, faire votre première séance d'auto-hypnose en direct. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les personnes le testent en vrai, parce que c'est là qu'elles vont venir les questions. C'est quand on écoute mentalement, intellectuellement, on comprend. Comme là, vous avez compris intellectuellement comment ça se passe. Mais quand vous allez vous amuser à le faire, et ben là, il va vous venir des questions auxquelles vous n'auriez pas pensé juste quand je vous l'explique. Donc moi, ces formations-là d'une journée, elles sont très pratiques. On est vraiment dans la manipulation, dans la pratique tout le temps. Parce que moi, ce que je veux, c'est que ben, quand les personnes elles sortent de cette première formation, elles sont capables déjà d'avoir des outils, d'avoir différentes techniques pour se faire des séances d'auto-hypnose, pour agir sur leurs objectifs, hein, le sommeil, le stress, les addictions, hein, on ne va pas parler des addictions, mais en auto-hypnose, on peut vraiment gérer, quand on voit que notre mental il nous dit c'est pas bien de fumer, ou c'est pas, j'avais vraiment pas faim, et pourquoi je me suis servi deux fois, on voit bien que ça, c'est des comportements instinctifs, inconscients, donc ben, ça peut être bien utile d'avoir l'auto-hypnose aussi pour agir dessus. Et donc voilà, donc l'idée c'est après cette première journée, eh bien d'être autonome. Alors après on a une deuxième journée qui est l'approfondissement en auto-hypnose, où là on va encore donner d'autres outils qui agissent sur d'autres leviers, d'autres modes de fonctionnement du cerveau. Certaines personnes sont plus à l'aise avec les techniques qu'on voit en première journée, d'autres plus à l'aise avec les techniques qu'on voit en deuxième journée. En deuxième journée, c'est des techniques qui sont plus inconscientes. La première journée, c'est des techniques qui sont peut-être plus facilement abordables. Donc voilà, il y a des personnes qui font une seule journée, puis ben, comme les techniques leur conviennent bien, ben, elles sont autonomes et puis elles s'en vont, c'est super. D'autres personnes font la deuxième journée par curiosité. D'autres personnes, la deuxième journée, ben, finalement, préfèrent les techniques de la deuxième journée. Donc moi, je sais que j'aime bien faire la première journée expérimentée. Et puis faire la deuxième journée après. Il y a certaines personnes qui font les deux. Par exemple, en novembre, il y a les formations de base le samedi et la deuxième journée le dimanche. Des fois, il y a des personnes qui préfèrent se faire les deux journées d'un coup. Bon, ben ça, je dirais peu importe. Mais en tout cas, sur cette formation, la première formation de base, hein, d'une journée, qui déjà suffit à être autonome. Alors, je disais donc qu'il reste deux places pour la formation qui a lieu ce dimanche, de 10h à 17h. Sinon, vous les trouverez les dates sur notre site internet. On aura notamment le samedi 10 octobre, le dimanche 15 novembre et le samedi 12 décembre. Dites chose par rapport à l'auto-hypnose. J'aime bien dire que l'auto-hypnose, c'est un petit peu un mode d'emploi pour notre propre cerveau. Notre conviction profonde au centre, c'est que ces outils-là, on devrait les apprendre dès l'école primaire, en fait. Plus tôt on est en capacité à pouvoir gérer ses émotions, ses comportements du quotidien tout seul, et plus quelque part la vie va nous être facile par la suite. Parce que la plupart du temps, quand vous avez des difficultés dans la vie, c'est souvent des difficultés qui sont liées à vos émotions. Des peurs, du stress, de l'angoisse, des choses qui peuvent vous bloquer. Même les apprentissages, hein, dans la psychologie sociale, on a quelque chose qu'on appelle la puissance apprise, et qui est juste une émotion qui est tellement intense à un moment donné qu'elle nous bloque pour pouvoir apprendre par la suite. Donc l'auto-hypnose, c'est vraiment un outil qu'on encourage à apprendre le plus rapidement, le plus tôt possible, et si vous l'avez appris pour vous, on vous encourage aussi à l'enseigner à vos enfants. Oui, tout à fait, parce que ce sont des techniques, vous verrez, qui sont assez simples et que vous pourrez assez facilement expliquer à vos proches. Et même s'ils ne sont pas très exacts dans la technique, ça va déjà mettre des changements chez eux pour les enfants pour gérer leurs émotions.
c'est quand même les mettre en confiance. Enfin, la confiance pour les enfants, c'est quand même super. Et d'avoir ces leviers-là qu'on peut leur transmettre, leur expliquer, bah, c'est quand même, c'est vrai que c'est quand même super. Nous, on a des collégiens qui viennent, des lycéens, voire même des jeunes enfants aussi, qui ont fait des formations, ou même en consultation, on leur explique ces petits outils. On dit, bah, t'as vu, t'as compris la technique, bah, tu le fais chez toi. Ils ont Donc même voilà, souvent c'est. plus de facilité que les adultes et qui parfois sont un peu plus gênés à imaginer les choses alors que l'imagination des enfants est extrêmement fertile. Puis eux, ils vont pas se mettre de barrière, genre, mais non, mais c'est ridicule si j'imagine ça, et là, si j'imagine je sais pas moi, une boule en métal sur ma poitrine, ou alors une boule rouge, mais c'est stupide, etc. Alors eux, ça va passer comme une lettre à la poste, ils vont pas se mettre ces barrières, et du coup, ils vont pouvoir changer beaucoup plus vite leur comportement, parce qu'ils ont moins de croyances limitantes que nous, les adultes. Et puis, donc là, c'est un peu plus aussi pour l'autre cours des techniciens en hypnose, mais ça, c'est un cours qui, pareil, on a la conviction très profonde que tous les gens qui travaillent dans l'univers du soin ou de l'enseignement ou de l'éducation en général, vous êtes parents évidemment, c'est les bases pour pouvoir mieux comprendre comment fonctionne le cerveau des autres et comment est-ce que vous allez pouvoir non seulement attirer le meilleur, mais surtout ne pas le brider. Parce que le problème, c'est que dans beaucoup de lieux, on a tendance à brider le cerveau ou à l'encourager dans les mauvais travers. Quand vous êtes en soins et qu'on vous dit attention, ça va faire mal, avant que ça fasse mal, vous avez déjà mal à rien qu'à l'entendre. Je suis sûr que même quand je l'ai dit, vous avez eu votre petit frisson de attention, ça va faire mal quand on fait une piqûre. Ou alors le ne t'inquiète pas, qui va faire tout le contraire, de rassurer la personne. Donc il y a des, voilà, des petites choses comme ça, des petits leviers qui sont vraiment importants de comprendre dans notre fonctionnement, parce qu'on pourrait même Dans la communication. voilà, faire l'inverse de ce qu'on attend de la personne, mais provoquer l'inverse de ce qu'on attendait finalement. Que vous passiez la formation des techniques ou non, on espère sincèrement que grâce à l'intervention d'Elisabeth, vous avez pu retirer certaines choses, que vous allez pouvoir pratiquer. L'objectif à travers les conférences qu'on peut faire, c'est qu'on vous donne des clés, des outils pour que vous puissiez pratiquer au quotidien, pour vous faciliter la vie, pour que la vôtre, celle de vos proches, pour que derrière, tout ce qui va être d'ordre émotionnel et comportemental soit dans le sens de ce où vous voulez aller et pas quelque chose qui vous freine au quotidien. Et puis, bien entendu, on est là aussi pour répondre à vos questions, hein, que vous les posiez sur notre Facebook, ou via notre site, ou par mail. On sera une joie de pouvoir vous éclairer, de pouvoir vous en dire plus. Parce que c'est vrai qu'on pense à notre outil, qui est le mental, et il est super pour nous aider à planifier des choses. Mais on a aussi un autre outil, interne qui est fabuleux. Et c'est quand même bien d'avoir tous ces éléments-là. Qu'est-ce que ça soulage au quotidien? Qu'est-ce que ça. Là, cette gestion des émotions, ces comportements, ils génèrent quand même beaucoup de trous. Ils nous pompent notre énergie, beaucoup. Ils sont source de mécontentement. Voilà. Donc, je peux en parler pendant des heures, donc C'est clair. j'arrête. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous allez pouvoir reprendre une activité, j'allais dire, normale. Vous allez pouvoir vous entraîner dès maintenant à faire de l'auto-hypnose. On est ravis de partager ces petits moments avec vous. Si, encore une fois, comme on le disait mardi dernier, si vous avez des idées, si vous aimez ce type de conférence, si vous avez des idées de sujets que vous voulez voir aborder, transmettez-nous ça par différentes messageries. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens de se contacter qu'on ne va pas tous les lister. Et puis, au plaisir de pouvoir échanger avec vous, soit en direct, soit en ligne. Quand je dis en direct, soit en présentiel, soit en ligne, vu que le moment, la période fait qu'on a du mal à se rencontrer pour de vrai en ce moment. Vous voulez rajouter un dernier mot? Eh bien non, ce que je peux vous encourager, c'est de le tester. Voilà, en prenant le temps, en étant bienveillant, en prenant plusieurs fois. Testez-le, parce que franchement, ça en vaut la peine. Les quelques minutes qu'on y consacre, franchement, on gagne tellement après voilà, ce qu'on peut constater dans ce qu'on ressent, comment on vit des événements après, c'est le jour et la nuit, quoi. Alors, juste avant de vous dire de vous quitter, on a une question de Mélanie qui demande si l'auto-hypnose peut fonctionner pour tout le monde, car les gens qui ont le cerveau qui parfois va très très vite, et c'est pas forcément évident pour ces gens-là d'arriver à se poser sur un seul sujet. C'est comme tout, à partir du moment où vous entraînez, tout le monde peut le faire.
Parfois, on est plus à l'aise pour se faire accompagner. Moi, je pratique, c'est marrant. Hein. C'est vrai que l'auto-hypnose, je pratique de manière assez ponctuelle. Et si j'ai quelque chose à faire, je préfère qu'on fasse une séance d'hypnose. Mais il y a des gens, comme Elisabeth, qui sont très très bons en auto-hypnose et qui peuvent faire énormément de choses d'elles-mêmes. Dans tous les cas, à partir du moment où on pratique et qu'on s'entraîne, on peut avoir des résultats. Mais ça demande un petit peu plus d'entraînement. On n'est pas tous Mozart, on n'est pas tous capables de faire du canoë à 5 ans. Il y en a qui vont, pour qui il va falloir faire plusieurs années de pratique et puis pour d'autres, pour qui ça va être très très rapidement. On espère avoir répondu à vos questions. On vous souhaite une excellente soirée. Au plaisir de vous retrouver à bientôt. Et puis, Mélanie, tu peux, enfin, vous pouvez regarder aussi la conférence qu'on a faite avant-hier, parce que c'est une autre technique, et d'essayer entre les deux, Ouais, celle qui vous convient le mieux déjà, c'est une entre ces deux-là. technique en plus que vous avez eu l'occasion de vivre aujourd'hui. Au Au revoir, au revoir à tous. revoir à tous et merci pour votre attention.